plus que l'Arc de Triomphe, ce sont les courses auxquelles je tiens le plus, les deux poules d'essai et le Diane et le Jockey Club, et les courses de 3 ans en Angleterre, mais cette année avec l'Angleterre, c'est tellement compliqué d'y aller, que cette année, comme l'an dernier, c'est faussé. Moi, c'est les courses que j'adore. Le petit canter et puis on part. Ok. 46. Allez, on peut prendre les chevaux. On y va, Glycon et Macaloun. Je pense que pour la génétique, le raccourcissement de la distance a été bénéfique. Au niveau, comme vous dites, des futurs étalons, on parlait encore ce matin, on voit des chevaux comme Chamardal, Lopé de Vega, qui est quand même des chevaux quasiment de 1600 mètres, qui ont gagné le Jockey Club, donc c'est bien, ça veut dire qu'ils tiennent 2100, ils ont beaucoup de classe, et ils sont meilleurs reproducteurs qu'aujourd'hui les chevaux typiques de 2004, à moins qu'ils aient gagné une très belle course 1600 mètres. On a vu Six the Stars, on a vu Galiléo, c'est des grands champions qui pouvaient gagner les Guinées et qui pouvaient gagner le Derby d'Epsom. Mais le cheval aujourd'hui qui ne gagne que 2004 n'est pas considéré comme un futur bon reproducteur. Et ça se vérifie souvent en rare. C'est un cheval qui a la classe, qui a envie, qui est un guerrier, il a envie de galoper, il aime galoper, il aime son métier. C'est Christophe qui va le monter, on est optimiste, voilà, on a peur, comme d'habitude, de la coalition britannique, c'est tout. Physiquement, il a fait beaucoup, c'est un cheval qui était un petit peu dégingandé à 2 ans. Je pense qu'il a couru, je dirais, peut-être presque une course de trop. Parce que c'est un cheval qui n'était pas fini. Et on était tenté. Quand on gagne le Condé, on pense toujours qu'on va gagner le Critérium de Saint-Cloud. Il a eu une course assez dure dans le Critérium de Saint-Cloud, dans un terrain un peu pénible. Voilà, donc après, ouais, c'était l'occasion d'attendre. Et ça a toujours été l'objectif de rentrer dans le prix de Guiche depuis l'année dernière. Et lui donner juste une course. Pour l'instant, tout se passe bien et le cheval est très bien. C'est un cheval très tardif. Je pense que c'est un cheval qui va venir avec l'âge. Mais c'est un cheval qui est pétri de classe, qui a une accélération redoutable. Et voilà, il faudrait une course qui roule. Voilà, c'est un cheval qui va finir et qui devrait bien finir. Le problème qu'il peut avoir dans le Jockey Club, c'est qu'il ne sort pas très bien de ses boîtes. Et ça, quand il a débuté à Pau, il est complètement même resté dedans. Et c'est pour ça que sa victoire, c'était encore... Même si c'était un lot moins, il y avait quand même un ou deux chevaux dans la course. Et il a refait 100 mètres, quoi. Là, ce matin, il a fait pareil, 1600 mètres. J'aime bien les travailler toujours plus court que la distance de course. Et puis, voilà, tout va bien. Il est en progrès sur son travail de la semaine dernière. Il va être frais. Il n'a pas couru depuis 2 mois. Ça peut être un désavantage si on considère qu'un cheval a besoin de beaucoup de travail. Ce n'est pas son cas. C'est un cheval très léger. Il se prépare vite. Donc, je pense que le galop de ce matin va finir de le préparer comme il faut. Il va être monté par Christian Desmureaux et en 2 mots, c'est un cheval que au départ, je ne pensais pas qu'il allait être cet acabit, mais de par son physique, qui est quand même très très léger, c'est un cheval qui pèse 420-425 kg. Pour un mâle de 3 ans, c'est très léger. Mais bon, comme on dit toujours, ce que je dis toujours, les Kenyans, ils courent vite, ils sont pas lourds. Il a moins d'éclat que les 2 autres pour courir cette course-là, dans le sens que d'abord il est un peu immature, il va peut-être manquer un peu de vitesse naturelle pour cette course-là, mais c'est un cheval, je crois qu'il a pas tout montré, il est tout le temps en dedans de lui, il gagne jamais facilement, mais il gagne toujours. Je sais pas, mais il nous a pas tout fait voir, voilà. L'objectif principal, c'est le Grand Prix de Paris. Je pense que c'est un cheval qui sera mieux 2004 que, voilà, au moins que Macaloun. Je pense que chez Cher Academy tiendra 2004 aussi. Il va être monté par Jean-Bernard Ekem et ben voilà, il a travaillé avec chez Cher Academy. Mais bon, il a travaillé assez relax. C'est un cheval de toute façon qui se donne pas le matin. Donc
puis l'autre avait besoin d'un peu plus de travail que lui, c'est pour ça qu'il a fini devant dans le galop. Mais si on le secoue un petit peu plus, il arrêtait avec Cheshire Academy. Ça. C'est un bon cheval aussi que j'aime beaucoup. Et je pense qu'il n'a pas tout montré. Je pense qu'on a des belles heures à vivre avec lui.